بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Donner l'équation de la tangente à la courbe CF de la fonction f dans chacun des deux cas suivants. Petit 1, f de x est égal à racine carrée de 3x plus 4 et a est égal à 5 tiers. Deuxième exemple, f de x est égal à 3x plus 1 le tout au carré et a est égal à 0. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre bien sûr à ces deux questions. Allez-y. Maintenant, on va répondre ensemble à ces deux questions. Réponse. Petit 1. On a f de x est égal à la racine carrée de 3x plus 4. Et a est égal à 5 tiers, soit t, la droite d'équation y est égale à f' de 5 tiers, facteur de x moins 5 tiers, plus f de 5 tiers. Cette droite T, c'est la tangente à la courbe CF. La tangente à la courbe CF. À la courbe CF de la fonction F au point d'abscisse 5 sur 3. Au point d'abscisse 5 sur 3. Donc, pour déterminer l'équation de cette droite, bon, on va chercher ou bien calculer f' de 5 sur 3 et f de 5 sur 3. Calculons f' de 5 sur 3, c'est le coefficient directeur de cette droite, et f de 5 sur 3, l'image de 5 sur 3 par cette fonction f. D'abord, je vais chercher f' de x, qui est égal, bien sûr, à la racine carrée de 3x plus 4 prime. Bon, on connaît déjà que la racine carrée de f prime, c'est f prime sur 2 racines carrées de f. Donc, la racine carrée de 3x plus 4 prime, c'est la dérivée de 3x plus 4, c'est 3, sur 2 racines carrées de 3x plus 4. Et maintenant, je peux calculer f prime de 5 sur 3. Donc, f prime de 5 sur 3 est égal à 3, sur 2 fois la racine carrée de 3 fois 5 sur 3 plus 4. 5 sur 3 fois 3 c'est 5, plus 4 c'est 9. La racine carrée de 9 c'est 3. On peut réduire par 3, ça donne 1/2 finalement. Maintenant, f de 5 sur 3. C'est la racine carrée de 3 fois 5 sur 3. Plus 4. C'est la racine carrée de 5 plus 4, c'est la racine carrée de 9 qui est égale à 3. D'où la droite T, il a pour équation réduite, y est égal à f' de 5 sur 3, c'est-à-dire 1/2, facteur de x moins 5 sur 3, plus f de 5 sur 3, c'est-à-dire 3. Donc, je rends les dénominateurs communs. Y est égal à 1/2x
moins 5 sur 6, 2 fois 3 c'est 6, plus 18 sur 6, ça donne 13 sur 6. Conclusion, la droite T, il a pour équation réduite 1 sur 2x plus 13 sur 6. 1 demi, c'est la pente de cette droite. La pente est positive, si vous voulez, et donc la fonction elle est croissante au point d'abscisse 5 tiers. 13 sur 6, c'est l'ordonnée à l'origine pour la droite T. Passons à la deuxième question. On a f de x qui est égal à 3x plus 1, le tout au carré. Et a est égal à 0. Nous cherchons l'équation de la droite T, c'est-à-dire la tangente à la courbe CF de la fonction F au point d'abscisse 0. Donc on va l'appeler T, soit T, la droite d'équation Y est égale à F' de 0, facteur de X moins 0, plus F de 0, qui est égal à F' de 0, fois x plus f de 0. Maintenant, je vais calculer f' de 0 et f de 0. Calculant f' de 0 et f de 0. D'abord, je vais chercher la dérivée de la fonction f. F' de x est égal à 3x plus 1, le tout au carré, le tout prime. Ici, je veux vous rappeler cette formule. La dérivée de f à la puissance n, c'est n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Donc ici, c'est 2 fois la dérivée de 3x plus 1, derrière x prime, fois 3x plus 1, le tout à la puissance 2 moins 1, c'est 1. Donc ça donne, la dérivée de 3x plus 1, c'est 3, fois 2, c'est 6. 6 facteur de 3x plus 1. Si vous voulez, je peux développer, ça donne 18x plus 6. On est d'accord? Donc, f' de 0 est égal à 18 fois 0 plus 6, qui est égal à 6. Maintenant, f de 0, c'est 3 fois 0 plus 1, le tout au carré. 3 fois 0, c'est 0, plus 1, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. D'où la droite T, ou bien la tangente T, a pour équation réduite, Y est égal à F' de 0, c'est 6. 6 fois X plus F de 0, c'est 1. Bon, ici, le coefficient directeur, c'est 6. Donc, la fonction, elle est croissante au point d'abscisse 0. L'ordonnée à l'origine de la droite T, c'est 1. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Hebdo du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt.